curiosity, interest, and obsession. Mile markers on my road to damnation. Ah, que des bonnes choses. On est de retour au plus de Darkest Dungeon. On va continuer la ferme un peu. Non, mais le DLC, hein, bien sûr. Donc on va continuer ça, car ça s'était bien passé la dernière fois. Par contre, on va utiliser une autre équipe. Hop, une équipe cristal. Alors tout simplement parce que on n'a pas nos boucliers, nos brise-boucliers en fait prêts. Ah, tout simplement, c'est pour ça qu'on va utiliser des gens, on va perdre des cristaux, mais c'est pas grave. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un sens, vous pouvez tester vos personnages, c'est pas mal en fait. Alors, bon par contre, butin d'éclat récolté, 10%, ce héros ne prendra part que... Oui, on s'en connaît. Après voilà quoi, on a des trucs qui sont pas bons. Oui, on a des choses qui sont pas bons. En tout cas, donc nous on veut ça. Je crois qu'on veut que ça en fait. Je crois qu'on veut que ça. Tac, tac, tac. Je pense pas que le reste soit très important. Ouais. Je pense pas que le reste soit très important. C'est bien parce qu'au final on a une différence de vitesse. Donc ça va être toi en premier, donc comme ça. Du coup. Comme ça on fait reculer, reculer, reculer. Ok, parfait. Alors on avait dit qu'en healer on allait se tester tout simplement un healer en fait. Donc je pense qu'on va prendre... Maneili. Sinon on a le choix pour Urnival. Urnival a ça à fond et ça disponible. Fumiline, non, ok. On va prendre Urnival. Oui, Furni. Pardon, on va prendre Urnival. Ok. On va prendre ça. Ça fait tellement banal, honnêtement, le setup. Je sais même pas si c'est vraiment... Moi, j'aime bien faire des trucs un peu original, mais là, c'est tellement pas original. Alors... Toi, tu vas prendre ça, parce que toi, t'es le plus puissant. Là, on a protection... Vitesse et déplacement... Alors toi, comme d'habitude, hop, toujours les mêmes objets, parce que c'est honnêtement le meilleur combo qu'on peut avoir. Là, je dirais pas non pour un soin. Un meilleur soin, on a ça. Ou alors on prend le truc qui descend la vie, à la limite. Pour éviter de trop stresser. Et du coup, on lui donne le gobelet. Ou alors la boîte. Peut-être la boîte. Ah mais fin la vitesse c'est pas si mal. C'est 15, c'est 20 HP. Ok. Ok, on va faire ça. Ok, les deux sont prêts. Les deux sont prêts. Bon, pas beaucoup d'esquive pour elle. Alors. On va mettre ça comme ça. Toi. Esquive 8. Dégâts, vitesse crit. Est-ce qu'on aurait un objet qui augmente les infections mais qui est plutôt bien? Je crois pas. Non. Je pense que c'est pas mal comme ça. Parce que de toute façon on n'est pas là vraiment pour faire très mal. Enfin oui et non quoi, mais... Soin reçu, étourdissement.
Infection. Ouais, mais c'est pas. Ok, je crois qu'on a notre équipe. Je crois qu'on a notre équipe. Qui est honnêtement extrêmement banale, je trouve. Je la trouve très banale. Enfin, il n'y a pas d'originalité en fait. Bon, c'est chiant parce qu'à chaque fois, il y a tout notre argent qui passe là-dedans. Ça, on va pas en prendre. C'est reparti! The poor miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void. Aïe 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 aïe. C'est parti. C'est embêtant parce qu'on recommence de zéro. On peut pas avoir des paliers, ça serait vraiment bien. Allez, voyons si ça marche. Voyons si ça marche. Alors, voyons. Exposed to a killing blow. Ah, on en profite hein, parce que voilà, ce machin c'est de la merde. Ça fait quoi, Racine? Vitesse et précision. Ça risque de durer longtemps. Hein. Ça risque de durer longtemps. Allez, ça y va le stress. Hein. Ah tiens, là on peut pas se soigner. Ouais, ça c'est la difficulté. Their formation is broken. Maintain the offensive. On peut pas enlever les dots. Donc du coup on va spammer ça. Fiend falls, a faint hope blossoms. Cristal. Ouais, 5 à 9 en fait. Donc en fait, on peut vraiment spammer que ça. Si on veut. Parce que en deux lancers de lance, on les tue, on les détruit. Et encore, c'est deux peut-être avec un seul si on fait un dot et on fait un peu plus mal que d'habitude. Voilà. Ça marche. On va spammer ça. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas dans le bon sens. Regarde. Pas très grave parce qu'on a l'habilité qui permet de rester sur place. Très bien. Ah oui, c'est qui qui a le... C'est toi qui a la... La lance qui apparemment tape en aléatoirement. Mais de toute façon, si on fait une AOE, ça va pas... Ça va taper... Ça va taper tout le monde, quoi. On est mal mis. Confidence surges as the enemy crumbles. Infection. Que s'ils vont faire que des crits, donc ça devrait aider pour le stress. Ah ouais, vous m'avez vraiment tout inversé quoi. Ah, elle est pas mal ça là. Ah oui, celle-là elle est violente celle-là.
this advantage. Give them no quarter. Ok, très bien. Il n'y a que ces deux-là inversés, je crois. Bah, deux chevals, c'est pas bien. J'aime pas combattre des chevaux ensemble. On est bon. Sedated. Ah, ça fait un gros cristal en fait, sûrement. Non ? Oh, ça en fait deux. Ça marche. C'est pas trop grave. Ah putain, si c'est grave. Be gone, fiend. Bon, leur vitesse, ça fait n'importe quoi là. Oh, ça m'emmerde par contre. Je vois pas pourquoi ça fait n'importe quoi comme ça. C'est lui qui devrait passer en premier, tout le temps. Ça, on n'en parle plus. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Peu importe. Infection. Je pense que c'est plus efficace, hein, comme j'avais dit. Hein. C'est plus tranquille en fait. Oh. Allez, va travailler les champs. Étourdissement. J'aurais même dû faire dégâts en fait. Très bien. Voilà, crit. Très bien. Slowly, gently. This is how a life is taken. A momentary abatement. Oh, joli. Peine de partout comme ça, c'est sympa. Je pense à mettre le mode la guerre, putain. Dans le mauvais ordre. Je pense à mettre le mode qui permet de... d'accélérer le temps des combats, tu vois. Après moi ça me dérange pas, c'est juste que... honnêtement pour la ferme, si, ça me dérange un peu. C'est trop lent. Surtout à combattre des monstres comme ça, sans réfléchir. Sans vraiment réfléchir, c'est un peu fatigant. Après les dots sont pas très gros, ça c'est sûr. Mais c'est très très potable. Soothed. Sedated.
stress pour le moment, ça va. The blood quickens. Death by inches. Ah mais ça avait même plus de cristaux. Pourquoi ça fait pas de cristaux? Très bien. Pas, bah, j'ai rien dit. Precision and power. Elle est vraiment la deuxième attaque, elle est vraiment bien du serpent là. Ça fait 5. C'est vraiment sympa. Hop. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ah putain. Battu. Cristal. Est-ce que ça compte pour tuer des cristaux? Executed with impunity. Non, c'est du bonus. Enfin, c'est des obstacles, quoi. Très bien, on s'est remis dans le bon ordre. J'ai l'impression qu'on va plus vite aussi quand même. J'ai l'impression qu'on va un peu plus vite. Mais le problème c'est qu'on contrôle pas grand chose. J'ai envie de dire, on contrôle vraiment rien en fait. Dans le sens où on spam les mêmes attaques. Puis les machins ils viennent s'écraser sur nos attaques quoi. Si ça se passe mal, on fait quoi? C'est ça la question. Test de protection. Ah, le meilleur passage de la musique. Je sais, fait beaucoup de cadavres, mais comme j'ai dit... Oh, doucement! C'est quoi c'est ton problème, là? Machin, là... Voilà. Ah, c'est ça le problème. Another abomination cleansed from our lands. J'aurais bien voulu le tuer lui, mais on avait des cristaux à détruire. Bon, c'est fini. At last, some sheltered corner of reality. Juste une seconde par contre. Tac, 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 tac. Juste à qu'ils aient... le même ordre des attaques là, parce que ça me rend fou en fait. Couleur change, embrasé. En plus ce qui est bien c'est que l'infection en théorie ça marche avec tout quoi. Genre les machins là, on va les défoncer. Oh putain. A lost echo. Trapped forever in the sparkling void. Hmm.
Eh, faut que tu joues vite. Ouais, c'est bon. Ah. Pas si bien là. Pas si bien. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Je me demande si on peut augmenter encore plus le déstressage. Oh les relous. Oh là là. J'aurais tout tu étourdir les autres, c'est pas grave. Bon là peut-être spammer les mêmes attaques, ça risque de pas trop fonctionner en fait. Ils sont quand même fragiles. A momentary abatement. Toi, tu vas mourir en deux tours. Ah mon dieu, il va la stun, putain. Je peux pas me soigner. Ok, ça fait deux morts. Apparemment, il a fait un critique. Ah, vous avez pas commencé. Pas sûr que ça fonctionne bien en fait. On va tuer celui-là de derrière. Peut-être qu'on pourra finir. Pas à soigner. Merde, il a 100% de résistance.
J'ai un peu peur que ça commence à poser des problèmes. Après, on n'est pas extrêmement chanceux en esquive. Hein. Chaque fois qu'il fait son boulet, il y a qu'un gars qui se le prend et on se fait stun. Hein. Ça y est, c'est fini. Ah, bah, putain. Battle behind, battle ahead. But for a moment, peace. Super. Ok. Deux moyens. Reality regained. C'est parti. Plus, pas de problème de stress déjà, c'est déjà ça. Oh là là. Dégage. Très bien. Le décor est super sympa hein, comparé. Ouais. Ça c'est très différent vu que c'est ouvert. Genre on voit les détails des animaux qui ont été changés en cristal et tout ça. Le moulin derrière, c'est le bordel. Quoi. Arrive avec le soin. Très beau. Après, les brises boucliers sont vraiment ouais, sont super random. Ils ont vraiment pas d'attaque. Merde, je les ai pas inversés là. Oh, c'est pas grave. Ça va faire combien de temps qu'on a vu 30 minutes déjà? Putain. Oh là 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 là. Appuyer sur celui-là. Ah, tu t'as fait une attaque random. Je crois que ça vient de kick. Parce que j'ai choisi celui-là, mais elle a attaqué celui-là. Après, ce qui est sympa, c'est que eux, quand ils font des critiques, ils ont de la protection en plus. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Comme j'avais dit. Et puis, ils ont 4 chances de faire du critique, du coup. Puis avec le bouffon, les critiques, ça arrive souvent. On va pas soigner pour le moment, c'est pas grave. Ah, la critique encore. Thank you.
maniacal precision. Ah bah c'était rapide. Corrupted curiosities, begging for examination. Ça fait combien de temps qu'on est dessus là? Ça fait... Ouais, ça fait 30 minutes à peu près. On est allé plus vite, je crois. On est allé plus vite. C'est honnêtement peut-être plus safe aussi. Je crois. Alors on a plus on n'a pas besoin du stress. On n'a pas besoin de la vie, honnêtement. On va faire ça. Alors maintenant... Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on a ça qui est intéressant. Si pieux, athée, tout ça là. Bon après oui ils sont athées là les lance-boucliers. Les... A chaque fois j'ai envie de dire lance-bouclier mais non. Du coup ça fait que du 10%. Jester aussi. Après on peut faire ça. Donc protection et PV mag. Je pense que ça va être le plus... Ah quoique... Ah... Attends, 2, donc 5, 10, c'est 3 et 2, 5, donc c'est 5 chacun, 10, et après il resterait plus que 2. Que 2, c'est chaud. Parce que je voudrais bien faire ça, mais au final on a peut-être pas besoin. C'est la chance d'infliger infection et la chance de la de résister, c'est intéressant. Après pour 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah rien, je crois. On peut rien faire. Ah, c'est pas embêtant quand même. Non, mais c'est pas grave. Hein. Alors, protection. Et PV. Infection. Poison subsistant. J'ai pas eu le temps de dire. Poison subsistant, mes veines. Maintenant il reste plus que 2. Donc on peut mettre ça, marquage impossible sur elle par exemple. Ouais, je pense que c'est pas mal. Comme ça, on a plus de chances de mettre de l'infection. Parce que bon, les trucs, c'est... On n'a pas augmenté, en fait, le champ. Une fois, si, il y en a une qui a... Quoique, on aurait pu... Elle. Parce qu'elle, elle a ça, elle a déjà 20%. Ah, c'est bien, parce que maintenant, ils sont montés à 100. Ça, c'est cool. Elle a déjà 20%. Donc, on aurait pu peut-être faire autre chose à la place. Mais bon, je voyais pas grand-chose. Genre ça, non, ça c'est 5% si AT, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, ça, stress moins 10%. Surtout sur les 3, ouais, bon, c'est pas grave. On avance. Oh, embrasé. Ah, pas les poissons. Pas la poiscaille. Sans déconner. Tu viens de tout louper? Genre 100%, genre 4 personnes, t'as loupé. Ah merde, on peut pas le stunner. Ah si. Peut-être combattre normalement avec eux, je sais pas encore. Quoique. Je sais pas. Pas les mêmes attaques encore?
Non, au final, ça passe bien. Même si on spamme les lances, ça passe très bien. Toi, on va te taper, hein, s'il y a que toi. Ah, c'est quoi? Effet sur le groupe. Dégâts 20% contre les marqués. Merde. Chance d'infliger un malus plus 20. Effet sur les ennemis, vitesse et protection. Ah, les enfants. On n'a pas d'équipe de marquage, donc... On va pas pouvoir utiliser ça. L'autre il a esquivé. Merde. Il est furtif, donc autant faire la OE. Même lui il meurt petit à petit. Non, non, ça se passe bien pour nous. Waouh. Non, je l'ai soigné. A time to perform beyond one's limits. Ah, merde, on a plus les buffs. Aïe. Ah oui, mais là on a une trop belle opportunité en fait. Mais voilà. Je pouvais pas passer l'opportunité de faire une AOE parce que ça allait tuer 3 personnes. Bon, maintenant faut se replacer devant. Bah j'ai rien dit. Back to the pit. Done. Yes. Ah, on a fini. A place of refuge. No. If only for a fleeting moment. Oh, ça, c'était tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la chose encore mieux? Rien. Non, on est très bon là. Puis en plus, les deux, ils ont 41 et 20 de protection. 15, 38. Ah tiens, la cape devient vraiment intéressante aussi. Là, je suis en train de me dire que peut-être la cape aurait été mieux que ça. Parce que bon, la résistance à l'étourdissement, je suis d'accord, c'est cool. Mais protection 20... Ouais, on aurait pu mettre une cape. On aurait pu... Voilà, ça serait un truc à rajouter. Ah, putain, c'est vrai que c'est le boss maintenant. Ok. C'est parti, boss time. Le leur du boss. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le spam de ça. Il a résisté. Putain de salope.
J'aurais pu le stun en fait. Pas parce qu'il est cristallisé qu'il est pas stunnable en fait. Ah, faire des dégâts. Ah, doucement, 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 doucement. On va voir si on passe le boss. C'est bon, vous avez assez joué là. The abyss returns even the boldest gaze. On va s'en foutre un peu du stress pour le moment. Faut qu'on fasse des dégâts en fait. Joli. Soigner. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ah, ça fait quoi ça? Ah bah bravo. Ah ça y est, il protège plus. Doucement. Ah il est full HP. Tu vas pas être assez... Ah si, c'est assez rapide. Maître appel. Ok, ça c'est pas trop un problème en fait. Putain, Jester là, le bouffon là. Va falloir vraiment que tu commences à esquiver parce que... Tu vas nous foutre dans la merde, mais tu t'imagines même pas. Obliterated. Faut vraiment que tu commences à esquiver les choses, parce que je t'ai pas mis 50 d'esquive pour rien. Alors enfin. En fait. Putain, le soin il est nul. Tellement nul le soin. On va faire ça parce que de toute façon il va le prochain tour, il va aller tellement vite, voilà. Le prochain tour il va le cristalliser là, ça sert à rien. Autant lui mettre plus de dots. Ah, maintenant on peut spammer là-haut. Prochain tour il va crever. Ah lui il va nous mettre. Il va aller leur mettre régène, non? Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ok.
Toi, t'es toujours protégé. Allez, hop. Protection. Ça fera un peu moins à soigner. Ah la pute. De toute façon, je pouvais pas l'empêcher. Hein. Je pouvais pas l'empêcher. Tu vas mourir, toi, du coup? Bien joué. Bien joué. Nous a foutu dans la merde. Allez, un critique. Putain, il manquait plus que ça. Là, je... ouais, ça marche pas. Virer le machin là, l'épouvantail. Is a rarity in the fevered pitch of battle. Est-ce que lui il pourrait spammer le soin ou pas? Parce qu'en fait il prend une place et il fait pas trop chier. Waouh, son régène qui a crit. Lol. Parce que du coup il prend une place et du coup c'est pas trop embêtant. On a fini ou... Ah, il faut que le cristal il apparaisse. Du coup, il faut que notre tour finisse. Ah non. C'est ça. Ah, attends. Putain, ça tombe bien. Ça, c'est la cape lunaire. Ah non, merde, c'est pas la cape solaire. Mince. Des cristaux scintillants se déversent sur le sol. 15. Oh, c'est pas beaucoup quand même. On a encore des buffs pour deux combats. Là c'est en 3 étapes. Récompense grande. Ouais, ça devrait aller. Troublante. Alors, dans la flingue d'infection 15%, c'est très bien. Un peu plus de stress, c'est chiant. Eux, ils ont plus ou moins pareil avec de l'esquive. Okay. Super. Faut que je me concentre sur le stress. Faites des crits, faites des crits. Oh, joli. Si on arrive à aller à zéro en stress sur tout le monde, ce serait vraiment cool.
joli, joli, joli. Là, c'est joli, là. Ça se passe bien, là. Ouais, un tour encore. Prochain tour, il faut que ça soit les dégâts. Ah merde, ils sont pas dans le bon ordre. Elle va te mettre 51 d'esquive et 44. Oh, il va falloir bien buffer là. Pour la précision. Très bien crit. Aïe. Ok, maintenant on repasse en soin de stress. En fait, cette équipe, elle est plus fragile parce qu'en fait, on est très très dépendant. Très très dépendant de comment ça se passe avec le lancer de lance. Tant qu'on met de l'infection, tant qu'on touche, tant qu'on fait des critiques de temps en temps, ça passe. Et on continue, on continue, on continue. Par contre, s'il y a un truc qui va mal... Safe from the comet's maddening light. For now. S'il y a un truc qui se passe mal, genre niveau boss qui fait un peu trop mal et tout ça, comme on a vu là, c'est le moment où, où on va commencer à déraper et avoir beaucoup de problèmes. Parce que c'est pas une équipe durable en fait. C'est pas du tout une équipe qui peut prendre des dégâts. Sont dans le bon ordre. Ce serait bien d'arriver à la fin de ça au moins. Filled with blood. Alors on va rebuffer. Le prochain tour, c'est le dernier. Ah. C'est chier. Joli. Ah merde, je peux plus rien faire. Passion is a rarity in the fevered pitch of battle. Oui, on peut se buffer, mais est-ce que c'est vraiment utile? On va faire comme si on avait fait l'attaque et on bouge. De toute façon, oui, on va se faire piétiner donc.
Toi, tu peux continuer à soigner, t'as pas besoin de bouger, on va se débrouiller. Voilà. Their cursed champion falls. Le cristal. Ah, j'aurais dû faire lancer de lance et après cristal. Ah, pas grave. Enfin, lancer de lance et après. Oui, parce que eux. Enfin, bref. Au moins, il est détruit. Aïe. Waits for the slightest lapse in concentration. L'autre il résiste. On reste dans les 30 de stress, c'est pas le meilleur. J'avais pas besoin de le stun, de toute façon on va le tuer. Enfin, après il peut attaquer au lieu de se buffer là comme il fait d'habitude. Mais... Très bien. Il veut pas spammer ça pendant genre 2-3 tours. Comme ça, on se baisse tout le stress. Ça serait pas mal. Sommes-nous idiots de quoi? J'ai pas vu. Encore deux tours, donc on peut encore déstresser. J'avoue que le fait de les jouer en... De les jouer en infection, là, comme ça, et le fait que quand ils campent, ils peuvent augmenter leur infection, vraiment très intéressant. Ah, c'est comme, c'est à ce moment-là qu'on commence à pouvoir gérer le stress, c'est ça? Ah oui. Voilà, le jeu a décidé d'arrêter. De jouer, ça y est, on peut plus jouer. Putain, en plus on peut rien faire. C'est ça le pire. Un tour, faut que je buff. Si le jeu décide de faire des crits à répétition sur une seule personne, c'est fini, y a plus rien. Hein. Enfin nous on regarde quoi. On peut pas jouer. Hein. C'est pour ça que ce système, il est intéressant de vagues infinies, mais il n'est pas
pas trop au point par rapport à ce type de jeu en fait. Il est très... il est à notre désavantage en fait, mais genre complètement. Ça, il faudrait que ça soigne du stress. Ce serait bien. Défense d'entrée. A closer look, perhaps. Il faudrait que ce soit pour tout le monde, honnêtement. Ah, ça y est, on n'a plus le... Mais on n'a plus les buffs de dormir. Si on mettait au moins des buffs tous les... j'ai envie de dire tous les 3... Non, 4 tours. 4 tours ? Oui, tous les 4 tours. À la limite, ça passe. Comme ça, on est toujours buffé. Mais... À embraser. Ah, embraser, on l'a déjà fait, non ? Ouais, c'est les marques. Ah, c'est pas intéressant, les marques. En tuer deux. Putain. Ah. Quoi ? Laisse-moi la checker. Je crois que là ça commence à être un peu mort. Oh mon dieu, elles vont stun. Oh, va falloir vite les tuer. Non, 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 mais jouez pas. En fait. En fait, on est voué à perdre. Quand on y réfléchit deux secondes. On est voué à perdre. Peu importe la précision, peu importe l'esquive et tout ça, il y a un cap dans le jeu. Il y a toujours un cap. Dans Darkest Dungeon, c'est 95%. C'est pour ça que notre précision va jamais au-delà de 95. Bon, là, on n'est pas au max. Mais il y a 84. Mais on peut jamais avoir un coup à 100%. Et après, il y a le taux de critique. Et ça, par contre, on peut pas influencer. On peut pas... On peut pas éviter que les ennemis, en fait, nous critent, par exemple. On peut pas éviter que les gens, que les monstres nous critent. C'est impossible. Il y a même pas de stats en fait. Il y a même pas de protection pour ça. Il y a de la protection pour les dégâts, pour le dégât de stress et tout ça, mais il y a pas la protection pour les crits. Donc du coup,
Au bout d'un moment, on va se faire enchaîner des crits, comme ce qui arrive de temps en temps, et on va perdre parce que notre stress sera trop élevé. Là, on commence à avoir du mal à le maintenir à zéro. Par exemple. Après là, on n'a pas besoin de vie. Si je prends un festin, ça va possiblement nous foutre dans la merde pour plus tard. Pour le moment, on va faire ça à deux. J'ai envie même de dire que peut-être le premier festin, on peut même mettre à zéro. À quoi qu'après, on a un boss direct, non? Je sais plus si on a un boss direct. Alors, protection PV. Protection PV. Alors toi, tu avais ça qui pouvait être intéressant. Stress moins 10%. Ah non, ça c'est sur une personne. Non, c'est ça que je veux. Tous les compagnons pieux. Un compagnon. Ah merde! C'est quoi alors qui baisse tous les compagnons? Stress moins 14%. 15%, pardon. À la limite, ça. Maintenant, il reste 3. Donc, on peut faire. Ça, protection 5. Ouais, on n'a pas le. On n'a pas le 20%, mais bon, on verra. De l'infection. Qu'est-ce que c'est que ça? The horror that lurks behind the veil of glimmering starlight. Les machins, ils ont 30 points. Qu'est-ce que c'est? Le machin, il s'est régène. Hein. Putain, on n'est pas dans le bon ordre. What the fuck? Je fais quoi là? J'en focus un? Ah bah oui, d'accord. Ils sont de différentes couleurs. Détruire. Mais en plus c'est géré sur lui en fait, c'est horrible. Même pas géré sur leur tour à eux. Donc là du coup on a besoin de gros DPS en fait. Ah, il a un tour lui par contre. Donc ça veut dire quoi? On va mourir? Je sais pas ce qui se passe. La récupération temporaire. Voilà, voilà, voilà. Germe éternel. Ah, ok. D'accord. Ouais, j'ai compris.
Bon, du coup, on se concentre sur lui, en fait. Allez, vite. Encore un tour? Ah non. Ils peuvent jouer là. Ok, très bien. Encore un crit? Et bien sûr, là tu crites pas parce que le jeu c'est nul. C'est le jeu me déteste. Donc là on meurt. Oh mon dieu! L'endormi. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut le faire saigner? Non. On va crever maintenant, non? Le stun. Oh oh. Endormi s'éveille. Aïe 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 aïe. Putain, j'allais le détruire le cristal en plus, hein. Qu'est-ce que je fais? Je l'infecte un peu plus ou... Ah, mais il a trop de vie. Oh là là. Oh là là. On allait le détruire le cristal. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Ok. Injury and despondence set the stage for heroism. Oh non, c'est pas le moment de rater. Hein. Je suis pas sûr on va y arriver. Hein. Festering fear consumes the mind. Enfin, si ça continue comme ça et que ça bouge pas trop, faut vraiment faut l'empoisonner. Ok, ça marche. 5. Et en plus c'est 5 tours, là ça va. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Le stress devient un gros problème, mais bon. Tu veux pas critique? Non, connais pas les crits? Après on pourrait l'infecter avec Non, ça sert à rien d'infecter. Avec la lance qui traverse. Mais... Oh non, 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 non. Paranoïa. Me fais pas de la merde. The shadows whisper of conspiracy. Aïe, 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 on est mort. Oh le gros débile. Reeling,
gasping, taken over the edge into madness. Un crit. Oh, merci. Putain, c'était pas compliqué, hein. It will live again in another time. Souvenir du moulin. Tu es l'endormi ou la chose vous octroiera. Curiosities begging for examination. C'est bon? Tu es l'endormi ou la chose vous octroiera une monnaie spéciale, un souvenir. Rassemblez ces fragments pour reconstruire le moulin dans votre hameau et profiter de ce qu'il produit. C'est même pas full HP. À l'arnaque, quoi. Une grande étrangeté, une cicatrice indélébile pour la psyché. Non, on a encore du lunaire, ça sert à rien de lunaire. Ouais, du coup, on peut pas continuer. Enfin, quoique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que. Enfin, c'est jouer en fait en stress? Mais maintenant, c'est juste des monstres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On teste? Parce que de toute façon, il n'y a pas de moyen de prévenir le stress. Bah, le truc, c'est qu'on peut sortir à n'importe quel moment. Et puis, honnêtement, c'est trois persos qui sont pas à moi. Donc, bon, on voit un peu. Alors. Bon, en tout cas, ils augmentent pas la difficulté des monstres, c'est déjà ça. Mais ils sont pas dans le bon ordre. On va essayer de détruire ça déjà parce que ça fait beaucoup de stress. Dans les 150, on se casse. Bah en plus ça va durer 7 ans quoi, parce qu'ils s'arrêtent pas de parler. Là les 4 ils vont parler en plus. Enfin non, les 3 pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de le maintenir. Mais... Elle, pardon, putain, chaque fois j'y arrive pas. Okay, on a encore 2 tours, ça va. Putain. Non mais jamais je vais arriver, parce que je peux pas déstresser les autres sans déstresser elle, et du coup elle va aussi devenir folle. Libérer les autres dans la lumière matinale. Putain, arrête de dire n'importe quoi. Ah, c'est bon, c'est mort. Waouh, puissance, trop bien. Anger is power. Unleash it. Ça fait quoi, puissance? Vertu, 25% de dégâts. Alors, après, imaginons que tout le monde passe en vertu, ça peut être pas mal, hein. Oh là là. Non mais on va faire, ouais, on fait au moins, on essaye d'aller au premier palier puis après on se casse. Mais si jamais on n'arrive pas à passer le premier palier, on se casse. Ouais, je peux même pas jouer, c'est trop bien. Contrôlez votre respiration. Tu leur as mis quoi? Dégâts? Stress. Non,
Oh mon dieu, comment ça monte vite. Oh bûcher. Oh l'équipe. Je sais même pas si on va genre tuer une vague quoi. Enfin, une vague à 4. Parce que le soin honnêtement c'est pas le problème, c'est. Ah c'est le stress hein. Dégâts 30, ça tue. Confidence surges as the enemy crumbles. Bah, si tu me laissais jouer, ce serait bien. Toi, à chaque fois, tu fais Nawak. Oui, oui. Allez, on tue les quatre et on s'en va. Royaume aux scorpions. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Oh putain, arrête de parler. Ah, ça... ah j'aurais dû utiliser l'antidote, j'étais con. C'est horrible de jouer avec des gens qui n'arrêtent pas de parler. En fait. Déjà que c'est lent. Alors là. Tiens, c'est marrant, c'est lui qui a été soigné. Oh mon dieu, un cheval. Aïe. Par contre, le cheval, ça va faire augmenter la barre assez vite. Mais je sais pas si on va y arriver. Hein. Non mais... Putain, en plus, pas elle, on s'en fout d'elle, elle est pas stressée. Enfin, elle est en vertu. Qu'est-ce qu'elle dit tout le temps? Elle dit n'importe quoi. Oh putain. Bon ouais, enfin si c'est pas sur le mauvais. Après c'est des ennemis tout cons quoi. Je suis la fureur du désert. Ah pas mal l'évolution là de la barre, pas mal. Mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Parce que quand on va commencer avec les crises cardiaques, c'est fini. Hein. On va voir ce qui apparaît. Oh putain, elle veut pas.
J'aurais dû peut-être... faire l'autre musique. A dizzying blow to body and brain. Manquait plus que des critiques. Stress, moi, 40%. Et 15 ans plus par-dessus. Non, c'est surtout elle en fait qui me fait peur. Parce que bon, elle, on l'a augmenté depuis un moment quand même. Les autres, c'est pas pour être méchant, mais bon. Les autres, à la limite, voilà quoi. Pourquoi tu rates tout comme ça? Non, mais les gens, vous avez précision négative ou quoi? Même elle remonte très vite en stress. Elle remonte extrêmement vite. Oi, 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 oi. Laisse-moi attaquer, laisse-moi. Mais elle peut chamer, putain. Is broken. Maintain the offensive. No. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Elle a horreur en plus. Ça y est. Ça y est, on arrive à la fin. Faites fermer. Continue the onslaught. Destroy them all. Ah putain, je peux pas le taper. Nique-toi. Ok, ok, ok. Yes. Emporte-moi. Emporte-moi loin. On a zéro récompense, trop bien. Allez, bah c'était bien. Oh, 3 y écrit. J'avais pas fait attention. Bah c'était bien. De toute façon, les autres ont irrationnel là, on s'en fout parce qu'on le prend pas dans les donjons. On peut pas le prendre. 26 éclats. Ah bah, ça fait beaucoup quand même. Hein. Alors par contre, il parlait d'un moulin. Ah. Le moulin. Ah mais c'est ça en fait cette icône, c'est un souvenir. Ah ben putain. Ah on n'a pas fini hein. Alors par contre ça pour le bouffon. Alors deux points de réplique.
de répit supplémentaire si votre groupe comprend au moins une abomination, une furie ou un lépreux. C'est quoi un répit? Qu'on se repose? Parce que, attends, ça on peut faire ça. Arpalétrier, maître chien, homme d'armes, brise-bouclier, mousquetaire, précision et PV en max. Croisé vestale, résistance aux étourdissements, 10%. Oh, compétence de soins, plus 10, ça passe. Change de repérage. Deux bouteilles de sang brassées chaque semaine. Ça, je me demande si on devrait pas essayer de le faire. Parce que ça risque d'être utile quand on va commencer le DLC machin. Mais à plus grand avantage. Intérêt sur l'or mis de côté, 5% par semaine. Monument sans autre but qu'une démonstration de dévouement. Bon, on va s'arrêter là. Je vais réfléchir à ce qu'on fait la prochaine fois. Ouais, on a des gens à s'occuper. Bon, on a 27 000. Bon, ça c'est bien. On a gagné 27 000. Mais bon. Bah, le combat, je suis un peu... Bah, j'ai pas envie de dire déçu. Ah oui, attendez. Faut voir si on n'a pas des... J'ai pas envie de dire déçu. Mais... Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut, comme j'ai dit, on peut tester en fait. On peut les virer, les autres, là, ceux qui sont stressés, on s'en fout en fait. Oula, ça lag. Ça lag toujours hein, sur cet écran. Est-ce qu'on peut les déstresser? C'est bon, t'as fini le jeu? Allô? Bon, on attend. C'est bon. On peut les déstresser, on est d'accord? Non, même pas. Si, on peut. Ok. Mais bon, honnêtement, je vais les jeter. Hein. Je vais les jeter. Hein. Je vais pas les garder. Hein. Mais bon, on peut faire des tests avec des gens qui sont pas de nous, quoi. Donc à la limite, ça c'est sympa. J'avoue que ça, ils ont bien fait ça. Donc on peut farmer à l'infini sans trop de problèmes. Mais en équipe, bon alors oui, deux brise-boucliers, ça a rendu la chose plus simple. Alors peut-être que j'ai mal fait le boss, comme j'ai dit. Peut-être qu'il faut détruire le cristal avant qu'il y ait les trois autres grands. Ou alors peut-être que c'est normal, c'est genre la phase 2, tout simplement, je sais pas. Mais une fois que tout le monde est stressé, il n'y a rien à faire. Après, on peut, comme j'ai dit, on peut utiliser ça. Chance de vertu et tout ça, et prier en fait pour que quelqu'un soit en vertu. Je crois que c'est de base, c'est 25%, je crois. La vertu, c'est une chance sur 3 en fait. Je crois que c'est ça. Donc, du coup, on peut augmenter sur un presque un 50-50, quoi. Est-ce que ça peut être utile et tout? Je sais pas, mais bon, il faudrait que tout le monde ait ça en fait. Du coup, parce que vu qu'ils ont tendance à stresser au même moment dans le même combat. Et puis après, ça va être compliqué, hein, de genre sans ça, ou sans les trucs comme ça. Ou alors, on met que des objets, mais vraiment qui stressent pas du tout. Il faut vraiment un objet avec du stress en moins par personnage. Ah, attendez, le livre. Stress moins 20%. On en récupère deux autres. Et on met au moins un livre à chaque personne. Et... Ouais, mais un livre à chaque personne... Ouais, genre là. Attendez, imaginons. Là, on enlève ça. Donc, le truc, il perd 10 d'esquive. C'est beaucoup. Le jester, on peut pas enlever ça parce que c'est le meilleur. Donc, là, il perd 15 d'esquive. Et elle, on lui enlève ça. Donc, elle soigne. Ah, peut-être que ça passe. Faudrait plus de livres anti-stress. Je vais réfléchir, je vais voir. Et on retestera la prochaine fois. Bon, la prochaine fois, on repart dans des donjons normaux. Mais c'était cool, on en a appris. À la prochaine, ciao ciao.